Salut Sidonie. Bonjour chef, comment allez-vous? Ça va et toi? Je vais bien, merci. Est-ce que tu es prête pour l'émission de 14h? Un peu stressée. Hein? Normal. Mais ça va, on gère. Super, normal. J'espère qu'on a la confirmation des intervenants. Oui, je leur ai donné rendez-vous sur 13h30, oui. Tout en sachant que l'émission est à 14h, histoire d'être ponctuel. Super. Ah, cette fois, ça serait du lourd. Ninko de Béagban. T'as gommé pour médailler. Bon, Sidonie, on se dit à tout de suite. Oui, à l'instant. Oui, allô? Oui, allô? À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est le ministère de la Sécurité. Le ministère de la Sécurité? D'accord. Que puis-je faire pour vous, monsieur le ministre? C'est à propos de l'émission que vous annoncez. Vous ne pouvez la faire. Pardon? Mais, excusez-moi, mais je pense que la compétence d'interdire la tenue d'une émission télé ne revient pas au ministère de la Sécurité. Mais plutôt celui de la communication. Mais ce n'est pas à vous de nous montrer ce que nous devons faire. Et actuellement, la période que traverse notre pays ne nous permet pas d'aborder ce genre de sujet. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre, j'avoue ne pas me rappeler au nom de quel principe, ou quelle loi ou quelle disposition cela nous empêche. Mais ce n'est pas une négociation. Retenez que vous ne pouvez la faire, cette émission. Un point, c'est tout. Mais, allô? 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 Tu sais que l'émission prévue sur la radio au cours de laquelle des leaders d'opinion et des syndicalistes allaient débattre sur les faits de corruption qui se sont déroulés au pays ces derniers mois a été interdite. Au fait, le ministère de la Sécurité a appelé seulement quelques minutes avant l'émission pour interdire sa diffusion. Tu trouves ça normal, toi? Au fait, ce que moi j'ai fait, c'est que les médias sont sous la couverture de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. C'est-à-dire la HAC et de la législation du code de la presse togolaise. Du coup, bon, la HAC régule et veille à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans la communication écrite, en ligne et audiovisuelle, et à l'accès équitable des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. Ok, si c'est dû au ressort de la HAC, d'interdire l'émission. Donc l'émission pourrait malgré tout se tenir même avec l'opposition du ministère de la Sécurité. Bon, en fait, le ministère de la Sécurité est une institution étatique, tu vois. Du coup, elle mérite du respect. Donc aller à l'encontre de ses ordres serait de défier l'autorité étatique. Donc ce qu'il faut retenir au fait, c'est que la liberté d'expression nous est garantie par la presse, en ligne, par l'audiovisuel. Et bon, dans certains cas aussi, elle peut être restreinte. Bien entendu, le code de la presse dispose que le journal ou le journaliste qui diffuse de fausses informations incite à la haine et lance des appels au crime et délit est passible de convocation devant l'autorité et peut même être l'objet de poursuites pénales. Mais cela voudrait-il dire que l'autorité peut interdire la tenue d'une émission? Le ministère de la Communication, ministère tutelle de la HAC, peut interdire la tenue d'une émission, la tenue des émissions, si celles-ci sont susceptibles de perturber l'ordre, la sécurité nationale ou l'unité nationale. Du coup, à ta question, je répondrai à affirmatif, seulement s'il devait s'agir du ministère de la Communication. Au vu de tout cela, il faut bien qu'on interpelle, il faut qu'on interpelle aussi bien le journaliste que l'autorité. Le premier pour qu'il effectue
la tâche à lui confier dans le respect de la déontologie et des lois en vigueur. Effectivement. Quant à l'État, il devrait veiller à l'effectivité de la liberté d'expression tout en respectant les standards internationaux. Dans le cas contraire, la paix recevrait un coup et la population sera révoltée. Bon, on sait tous que si la population se lève, il est difficile de l'arrêter. Journalistes, autorités, ensemble, œuvrons pour l'effectivité de la liberté d'expression. Chacun doit faire son travail dans le respect des normes et mesures réglementaires en vigueur.